Water. It's vital to human life, our economy, and ecosystem. The very survival of our planet. But water challenges are growing more intense than ever before. Increasingly volatile weather patterns fueled by climate change, crumbling infrastructure, pollution, and overpopulation that's causing a surge in demand for water. But now, new technologies are offering bold new ways to protect and optimize water, to help the world become water secure, and Xylem is leading the way. Xylem is a Fortune 1000 global water technology provider dedicated to solving water and smart infrastructure challenges. We have a century-long track record of trust and reliability, providing leading-edge technologies, expertise in equipment to utilities, industrials, and other users of water, working closely with our customers to develop solutions that manage water more effectively and efficiently all across the water cycle. Now, we're leading the digital transformation of water, partnering with our customers and innovation leaders, discovering new ways to harness the power of data and analytics, delivering unprecedented insight that's optimizing existing water systems, and creating a future that's more water efficient to meet the world's water needs, and more energy efficient to protect the environment. Our commitment to sustainability is fundamental to our business strategy, guiding everything from how we design new products to our culture and people. Through our corporate social responsibility program, Watermark, Xylem employees have volunteered more than 230,000 hours over the past 5 years, educating about key water issues, cleaning up local waterways, working with our NGO partners to deliver drinkable water systems to communities in urgent need, and deploying our experts, technology, and equipment to help disaster-afflicted communities. The world's water challenges are dramatically increasing, but so are the possibilities to solve them. Xylem is working every day to bring water technology and innovation to communities and people around the globe, raising awareness and reaching new audiences through partnerships and the power of sports, and helping create a world where water is more accessible, affordable, and safer for all. Water is always moving, and so are we. We're pushing forward, pursuing the opportunity of a lifetime. We're Xylem, and we're solving water. Join us. Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, chers participants. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette session intitulée Initiative innovante. C'est la deuxième partie de cette session dans le cadre de cette deuxième conférence internationale. Et le président de la session est Monsieur Alexandros Makarigakis, qui est représentant de l'UNESCO. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup, Alexander. Bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à la session d'aujourd'hui. Nous allons pouvoir, dans le cadre de cette session, entendre des participants présenter 4 initiatives innovantes. Nous pourrons également poser des questions aux intervenants à la fin de la session. Je vous demanderai
donc de bien prendre note des questions et de ne pas hésiter à les poser si vous avez donc une question ou un commentaire sur les présentations. Je vais d'abord commencer par Monsieur Martin Kérès. Martin travaille sur l'eau et le changement climatique depuis plus de 10 années et travaille notamment sur la résilience climatique. Il a agi en tant que conseiller auprès de services d'eau dans les pays en développement dans le cadre de son travail au sein de la GIZ, la Société allemande pour la coopération internationale, dans laquelle il travaille depuis 2015. Avant cela, Martin a travaillé au sein de la Banque interaméricaine de développement. Et avant cela encore, il a agi en tant que conseiller sur la question du changement climatique et de l'eau. Martin est titulaire d'un master donc dans sa spécialisation, les changements climatiques et l'eau. Et aujourd'hui, il va nous faire une présentation sur la feuille de route vers des services d'eau sobres en carbone. Vous avez la parole. Merci. Merci, Alexandros. Merci aux organisateurs. Merci d'avoir accepté notre proposition. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Pouvez-vous partager ma présentation, s'il vous plaît? Il semblerait que oui. Je m'appelle donc Martin Kérès. Nous avons produit ce travail avec Elaine Cheung et Zoren Ruth. Ce sont deux de mes collègues. Nous travaillons au sein de la GIZ, au sein de la Société allemande pour la coopération internationale. Nous travaillons dans le cadre d'un projet sur l'eau et l'atténuation au changement climatique. Et nous travaillons à ce programme avec l'Association internationale de l'eau. C'est un projet qui est financé par le ministère fédéral pour l'environnement allemand. Il y a également Corinne Tromsdorf qui est co-autrice. Alors, nous ne sommes pas collègues directement, mais nous avons beaucoup travaillé ensemble sur cette question et elle travaille en France pour sa part. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voici quelques-uns des points saillants dont je souhaitais vous faire part. J'espère que je pourrai vous convaincre du fait que ces services d'eau peuvent contribuer à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre par le truchement de plusieurs options. Je vais vous présenter cette feuille de route et vous montrer comment nous estimons que nous pouvons atteindre cet objectif. Je vais également vous montrer des données montrant de quelle manière, dans certains cas, les services ont pu réduire leur empreinte carbone avec des villes européennes et des exemples de villes européennes telles que Grenoble et Hambourg. Et en guise de conclusion, je parlerai de l'environnement politique propice et favorable à tout ceci. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'eau et le changement climatique nous amènent souvent à réfléchir à l'incidence qu'ont les changements climatiques et comment les services dans le secteur de l'eau peuvent améliorer leur résilience face au changement climatique. Par exemple, il y a la question de la rareté de l'eau qui a une incidence sur les services d'eau, car cela veut dire que les services d'eau doivent réfléchir à des ressources hydriques différentes ou alors doivent revoir leur gestion de la demande. Et donc, il y a des défis dans la gestion de l'eau qui augmente à cause des changements climatiques. Bien entendu, nous sommes tous d'accord, c'est un grand enjeu et il est important que les services d'eau soient prêts face à l'impact des changements climatiques. C'est une priorité pour tous les pays, notamment dans leurs engagements vis-à-vis de la Convention cadre des Nations unies de lutte contre les changements climatiques. Cependant, et depuis 2014, plusieurs acteurs appellent à cela. Il faut voir quel est le potentiel que
revêtent ces secteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, d'une part, ces installations, ces services ont besoin de beaucoup d'énergie pour le traitement des eaux, pour le traitement des eaux usées, pour les actions de pompage. Bien entendu, tout ceci est très friand en énergie. Et bien entendu, si cette énergie est une énergie de source fossile, alors cela mène à davantage d'émissions de CO2. Par ailleurs, il y a les émissions qui découlent de la gestion des eaux usées. Si ces eaux usées sont traitées de manière non respectueuse de l'environnement, alors cela peut mener à des émissions d'oxyde nitreux et de méthane, qui sont des gaz à effet de serre dont l'incidence est beaucoup plus forte que le CO2. Slide suivant, s'il vous plaît. En 2018, déjà, notre projet a recueilli le soutien de l'Association internationale de l'eau. Ainsi, une feuille de route a été établie avec donc cet objectif de réduire les gaz à effet de serre. Alors, la première étape, la toute première, c'est celle de la motivation. Il faut donc identifier les objectifs existants. Ce sont les objectifs qui se trouvent au sein de la raison d'être même de ces services. Et on peut utiliser ces objectifs qui se trouvent dans les statuts et les chartes de ces services pour ajouter cet objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième étape, l'évaluation. Nous avons un outil qui sera présenté à la slide suivante. Il s'agit de l'ECAM. Il s'agit d'un outil d'évaluation de surveillance de la performance énergétique et des émissions de carbone. Les émissions donc venant de toutes les différentes parties, qu'il s'agisse de la gestion des eaux usées ou autres. Étape 3, identifier les différentes occasions d'agir. Grâce à l'étape 2, désormais, on a des chiffres, des données sur les émissions de gaz à effet de serre à chaque étape du processus. C'est ce qui nous permet de cerner les opportunités d'action. Par exemple, on sait que pour le pompage, nous savons quels sont les besoins énergétiques et quelles sont les émissions. On peut ensuite, à partir de ces données, savoir de quelle manière on peut au mieux réduire l'empreinte carbone et au-delà de ça, réduire les coûts, car les changements climatiques, ce ne sont pas le seul facteur déterminant pour agir. Ensuite, étape 4, c'est la mise en œuvre. Étape 5, c'est le suivi. C'est un exercice qui doit se faire de manière périodique. Nous devons en effet démontrer que nos mesures ont eu l'effet escompté. Donc, il faut mesurer la situation telle qu'elle existait avant et ensuite faire le suivi. Slide suivante, maintenant ECAM. Donc, il s'agit d'un outil d'évaluation et de surveillance de la performance énergétique et des émissions de carbone. Il s'agit d'un outil phare pour nous. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Alors, vous pouvez aller sur le site de WACLIM. Et sur ce site, vous pouvez expérimenter avec cet outil. Nous venons de télécharger, de lancer notre nouvelle version. Le lancement officiel a eu lieu dans le cadre de la COP26 à Glasgow. Il s'agit d'un outil, comme je l'ai dit auparavant, qui sert à mesurer, évaluer les émissions de carbone et qui vise à trouver des solutions pour réduire ces émissions, notamment en se concentrant sur les émissions opérationnelles. Alors, je le précise car il ne s'agit pas du seul outil existant pour réduire les émissions. Parfois, le point d'ancrage n'est pas le même. Il est donc difficile de mettre en place une comparabilité des résultats selon les méthodologies, car certaines méthodologies de calcul, d'évaluation, se concentrent par exemple sur la construction même des infrastructures qui sont également émettrices de carbone. Et donc, cela mène à des différences d'approche qui doivent être prises en compte.
Donc, actuellement, nous travaillons dans trois pays en termes d'études de cas. D'abord, le Royaume de la Jordanie, le Pérou et le Mexique. Je n'ai choisi que deux études de cas ici, car le temps nous est compté. Et ces études de cas nous montrent de quelle manière une intervention ciblée peut changer la donne en termes d'émissions. Il peut y avoir véritablement une réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le premier exemple, qui se situe à gauche, nous vient des systèmes d'approvisionnement en eau de Madaba, une ville en Jordanie. Alors, que s'est-il produit ? Les pompes utilisées pour les nappes phréatiques ont été remplacées par des pompes qui sont plus efficaces d'un point de vue énergétique. Et comme vous le constatez, l'incidence est majeure. Entre ce remplacement des pompes et l'installation des variateurs électroniques de vitesse, nous avons pu réduire les émissions de 41% par habitant. Et cela a également réduit les coûts dans ces systèmes d'approvisionnement en eau. Donc, c'est un facteur qui est déterminant pour la motivation pour changer ces systèmes. Nous avons tenté cette même expérience ailleurs en Jordanie et les résultats étaient similaires. À Cusco, une ville sans doute connue de beaucoup d'entre vous, ils se sont concentrés plutôt sur la gestion des eaux usées. Il y a eu un système qui a été installé, producteur de biogaz. Cela a eu une incidence sur les émissions qui ont été réduites de plus d'un tiers. Nos collègues des services de Cusco sont en train d'examiner différentes possibilités pour que le biogaz soit transformé en énergie utilisable par les services eux-mêmes, ce qui réduirait l'utilisation de l'électricité à Cusco. Slide suivante, s'il vous plaît. Nous avons également deux exemples européens. D'abord, celui de Grenoble. Les services concernés ont affiché une empreinte carbone négative depuis 2018. Cela fait partie du plan d'action municipale de manière plus large. La métropole de Grenoble produit du biogaz et contribue au réseau de gaz naturel. Cela a fait en sorte que l'Aquapol, qui est la STEP locale, finalement agit en tant que puits de carbone, ce qui veut dire que l'Aquapol sauve plus d'émissions qu'elle n'en produit. Cependant, si on utilise la méthodologie du GIEC, on a une mesure différente de l'oxyde nitreux, ce qui signifie que si cette méthodologie a été changée, cela pourrait avoir une incidence sur les mesures de la STEP. Mais les solutions existent peut-être afin que cet aquapole demeure, enfin que cette STEP demeure un puits de carbone. Pour ce qui est d'Hambourg, c'est similaire. Cette ville affiche un statut donc d'utilisatrice d'énergie renouvelable exclusivement depuis 2011 pour l'alimentation en électricité, et le surplus énergétique est ensuite utilisé pour alimenter les réseaux de gaz et d'électricité. Vous pouvez d'ailleurs voir ce qui a été modifié d'une année à l'autre, puisqu'il y a des déclarations annuelles. Par exemple, les émissions de méthane ont été réduites de 82% de 2018 à 2019. Slide suivante, s'il vous plaît. Nous en sommes au message clé d'analyse des résultats. Nous avons comparé les différentes expériences, nos projets, les mesures mises en place, et nous voyons que ces initiatives et ces mesures changent la donne. Lorsque nous changeons quelques éléments, nous voyons un résultat immédiat dans la gestion de l'eau et des
du traitement des eaux usées. Alors, c'est le cas dans des systèmes de taille réduite. Nous nous sommes penchés sur un système de traitement des eaux usées. Alors, bien entendu, peut-être que si c'était un système intégré complet, cela demandera davantage d'efforts et un effort soutenu sur un temps plus long. Mais nous avons constaté, avec les exemples de Hambourg et de Grenoble, que des systèmes de taille plus importante étaient en mesure de décarboner. La neutralité carbone est donc possible, c'est ce que je viens de vous dire. Et Hambourg et Grenoble, ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. Il existe plus de 50 services qui ont déclaré leur intention d'atteindre la neutralité carbone en 2040, en 2050 ou en 2060. Les mesures d'atténuation, bien entendu, sont bénéfiques pour notre climat. Elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre, mais de plus, elles peuvent réduire les coûts, elles peuvent améliorer la résilience au climat, notamment par le biais de la réduction de pertes d'eau, ce qui veut dire que nous utilisons moins d'énergie pour le pompage de l'eau. Mais par ailleurs, s'il devait y avoir une difficulté liée à un stress hydrique ou à une rareté de l'eau, cela présenterait également un avantage dans ce cadre-là. À Grenoble et à Hambourg, nous avons constaté que cette action faisait partie d'un plan d'action urbain plus général. J'ai encore une idée à vous transmettre, Alexander, avant de vous donner de nouveau la parole. Les difficultés en termes de mesurer les émissions de gaz à effet de serre ont trait au fait qu'il y a de différentes méthodologies. S'il n'y a pas une seule méthodologie, il sera difficile d'établir une comparaison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. C'était une très bonne présentation. J'attends avec plaisir et grand intérêt les éventuelles questions. Donc, nous allons passer à la deuxième présentation faite par Julien Grimaud. Julien travaille chez Veolia depuis plus de 16 ans maintenant. Il a commencé dans le domaine des déchets à risque. À l'époque, il menait un projet de recherche sur la capture du CO2 dans des usines de traitement de déchets dangereux. Ensuite, Julien est passé à la division États-Unis pour étudier l'empreinte des usines de la société en 2014. Julien est devenu consultant pour Veolia dans l'urbanisme durable. Il a travaillé en coopération avec de nombreuses municipalités françaises afin de renforcer leur résilience dans ce cadre-là. Il a développé un certain nombre de solutions en ce qui concerne les îlots thermiques. En 2021, Julien est entré chez Eureka, consultant chez Veolia pour étudier les solutions de résilience. Et actuellement, il travaille avec des municipalités des industries. Donc aujourd'hui, on aura la possibilité d'entendre Julien nous parler des solutions d'atténuation des îlots thermiques. Julien, vous avez la parole. Oui, merci Alexandre. Bonjour, après-midi tout le monde. Donc j'ai le plaisir de vous faire cette présentation et je vous remercie de m'avoir invité. Comme vous pourrez le voir, nous allons parler des solutions d'atténuation des îlots thermiques urbains avec mon collègue Eric Le Sueur, et qui était PDG de Veolia, et Johan Miele, Toulouse Métropole. Nous avons travaillé sur ce projet avec la participation de la municipalité lorsque nous avons démarré en 2017. Donc, ensuite, prochaine diapositive. Oui, allez plus loin. Ma synthèse vient à la fin. Donc, qu'est-ce que c'est que l'îlot thermique urbain? Vous savez que ces ICU
sont un phénomène qui se produit dans un espace urbain artificiel. Et il s'agit d'une augmentation de la température en raison de l'utilisation des sols. Et ce phénomène se trouve amplifié par le changement climatique avec les canicules qui aggravent les effets et les conséquences de ce type de d'ICU. C'est bien sûr une baisse du bien-être des populations qui se trouvent en situation de risque, notamment les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées et les malades. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de décrire des solutions innovantes d'atténuation. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le projet est un démonstrateur à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Donc, nous avons développé une solution qui cherche à réutiliser les eaux pluviales collectées et stockées en souterrain. Et cette eau sert au rafraîchissement des trottoirs. Nous utilisons donc des eaux usées en injectant l'eau dans un trottoir poreux. L'eau traverse donc le trottoir, arrive à la surface. Et ensuite, il y a l'évaporation, ce qui rafraîchit la surface. Nous avons installé 150 mètres carrés de trottoirs rafraîchissants à Toulouse, comme vous pouvez voir dans l'illustration, devant une résidence universitaire. Et nous avons commencé à suivre cette solution en 2018-2019. Et afin d'évaluer la performance de cette solution, nous avons utilisé le TCI, c'est-à-dire l'indice thermique du climat universel, ce qui traduit la température que nous ressentons lorsque nous trouvons sur le trottoir. Prochaine diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qui est innovant? C'est que la solution est totalement automatisée, ce qui veut dire que les eaux pluviales collectées sont injectées sous le trottoir par un système automatique régi par la station de mesure météorologique qui mesure, par exemple, l'humidité de l'air, température de la surface, vitesse du vent, etc. Ce qui nous permet de calculer cet indice UTC. Et je vous rappelle, ça représente l'indice de confort ressenti par les personnes. L'idée, c'est de pouvoir suivre les cycles de refroidissement grâce à cet indice pour démarrer et arrêter les injections d'eau. Cette image vous montre que la station de mesure météo a été localisée, a été installée sur le trottoir pour que nous ayons des mesures en temps réel. Ensuite, sur la prochaine diapo, nous allons voir la façon de mesurer la performance de la solution. Voilà, merci. Comme je l'ai dit, l'idée, c'est de s'appuyer sur cet indice climat comme indicateur. Donc, nous avons mesuré les paramètres du trottoir et de la surface juste à côté. Donc, nous avons deux valeurs, indice climatique, trottoir et référentiel. Nous avons calculé la différence. Donc, c'est l'indice du trottoir moins l'indice référence. Et lorsqu'on constate une différence, si la valeur est négative, cela veut dire qu'il y a un effet d'atténuation
Ça, c'est la ligne bleue. Et s'il y a une différence positive, cela veut dire qu'il y a une intensification de l'effet ICU. Et la courbe orange vous montre la quantité d'eau injectée dans le système. Voilà donc la façon de mesurer et suivre la performance. Sur la prochaine diapo, vous allez voir différents résultats. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà donc les résultats. Cela vous donne une vue synthétique de l'ensemble des mesures d'une saison. Ça, par exemple, c'est sur un mois. Les mesures du trottoir. Donc, si vous cliquez deux fois, vous allez voir. Voilà. Nous allons voir que chaque pic représente un jour de mesure. La ligne bleue, c'est les petits points bleus, c'est l'injection d'eau. Et si vous cliquez une fois de plus, vous allez constater une différence entre les courbes orange et bleues. Les bleus vous donnent la température de surface de référence et l'orange vous donne la température de surface du trottoir. Et chaque jour, nous allons voir la différence entre les deux surfaces, le trottoir et la surface de référence et le trottoir refroidi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, vous allez voir les différents jours. À gauche, le graphique vous donne l'évolution de la température de référence en orange et en bleu, c'est la température de la surface du trottoir où nous avons injecté de l'eau. Et les petits pics en noir, ou les petits points noirs plutôt, ce sont les injections d'eau. Par exemple, le 2 juin, nous avons commencé à injecter de l'eau et vous constatez que la température de surface baisse. Et ce que nous pouvons constater, c'est grâce à l'injection d'eau, nous pouvons abaisser la température de surface de plus de 15 degrés. Donc, c'est une bonne indication. Mais ce qui est plus important, c'est de voir l'impact sur l'UTCI, l'indice climatique. C'est pour ça que nous avons fait le graphique à droite. C'est la même chose, mais pour l'indice UTCI. Avec l'injection de l'eau, donc, vous voyez les petits pics orange. Nous avons calculé la différence de l'UTCI et nous avons pu constater une baisse de jusqu'à 6 degrés de l'UTCI, ce qui veut dire qu'il y a un vrai effet d'atténuation. Nous l'avons fait pour chaque jour que nous avons suivi pendant ces 3 années. Prochaine diapo. Et nous voyons donc que les résultats plus importants. Quelle est la grande conclusion après ces 2 saisons? Premièrement, les 2 années d'observation nous confirment qu'il y a un vrai effet sur l'effet hylothermique. Nous avons réussi à baisser la température de la surface plus de 10 degrés. Pour donner une petite idée, lorsqu'il fait très chaud l'été, la température de la surface peut monter jusqu'à 45, voire 50 degrés, ce qui veut dire qu'on peut abaisser la température jusqu'à 35 degrés. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'abaissement de l'UTCI d'entre 4 et 6 degrés, ce qui a un effet plus important et plus sensible, et c'est vraiment le but de l'opération. La question de savoir si on peut faire plus. Oui, effectivement, on pourrait baisser davantage l'UTCI, mais à ce moment-là, cela nécessiterait une consommation d'eau plus importante. Donc, il faut trouver le bon curseur entre les deux. Donc, n'oubliez pas que là, il s'agit de 150 mètres carrés de trottoir refroidissant avec une consommation entre
0,5 et 1 mètre cube par jour. Ça dépend de la température. Les jours les plus chauds, nous avons fait plus de 50 cycles d'injection d'eau. Donc, il a fallu ouvrir les vannes 50 fois pendant la journée. Mais normalement, c'est entre 0,5 et 1 mètre cube par jour. Autre effet, c'est en ce qui concerne l'opérabilité de la solution. Vous pouvez voir que l'équipement dans l'ensemble se trouve en souterrain, les tuyaux, les vannes, etc. Et il faut faire attention lorsqu'on exploite ce système qui n'est pas adapté aux véhicules lourds. On a fait l'expérience avec un poids lourd sur le trottoir, mais il y a eu écrasement. Et c'est un système souple, il est facile d'enlever les trottoirs et les remplacer. Donc, c'est un équipement très souple. Et ensuite, il y a le problème de blocage. Nous avons utilisé des tuyaux de diamètre de 2 cm. Donc, il peut y avoir des problèmes de blocage. Et pour l'éviter, nous avons fait des cycles de nettoyage en injectant de l'eau à haute pression pour dégager toute la tuyauterie. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà donc les conclusions définitives. Cette expérience lancée en 2017 et qui est toujours en cours nous a confirmé que cette solution a un impact sur les îlots thermiques en milieu urbain. Donc, c'est une solution utilisable. Nous avons réussi à mesurer une amélioration de l'UTC jusqu'à 6 degrés. En ce qui concerne la consommation d'eau, on l'a également suivi. Donc, nous savons que pour ce type de solution, 170 mètres carrés nécessitent entre 1 et 1,5 mètre cube jour. Mais il y a des points de vigilance en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien. Le trottoir doit être bien nettoyé régulièrement. Il faut également un cycle de nettoyage pour être sûr que lorsque nous entrons dans une nouvelle année d'exploitation, la surface est bien propre. Un dernier mot serait peut-être que cette conclusion doit être utilisée dans un mix de ce sens-là. On n'utilise que le trottoir, mais finalement, il faut un mix avec des solutions végétales ou hydrauliques ou carrément au niveau du matériau de surface pour obtenir le projet urbain le plus efficace. Et depuis 2017, nous avons lancé d'autres projets à Bordeaux, pareil à la Défense, à Nice, comme vous voyez là. Et là, donc midi à Nice, nous avons essayé de mettre en œuvre des solutions trottoirs, mais en associant avec d'autres. Et là-dessus, je pense que je peux terminer. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci infiniment, Julien. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très intéressante sur la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Nous savons qu'il y a de nombreuses solutions et nous sommes ravis de voir que cette approche innovante est en cours de mise en œuvre à la Défense. Passons maintenant à la suite. Donc, la présentation suivante nous sera faite par Thierry Metro. Il est urbaniste, hydrologue et il est fondateur de l'agence ATM. Il s'agit d'un bureau d'études qui couvre donc l'urbanisme, le paysage et l'hydrologie. Et plus particulièrement, toute question est entrée à l'eau en milieu urbain. Thierry
s'est intéressé à la question de l'assainissement, de la gestion de l'eau pluviale en associant les paysages et la conception technique. Grâce à cette approche, cela fait 20 années qu'il travaille à ces questions à la tête de la CG 93 en Seine-Saint-Denis. Il a mis en place des projets qui sont désormais des références dans les milieux urbains. Je suis impatient d'entendre ce que vous avez à nous dire. J'aime beaucoup l'idée générale. Cette approche innovante lui a valu des invitations à enseigner à Blois, à Marne-la-Vallée et dans des écoles d'ingénierie partout en France. Il participe également à des formations dans le cadre d'instituts de formation continue, mais il a également été invité à s'exprimer dans le cadre de conférences en France et ailleurs. Thierry va nous présenter aujourd'hui le projet Saint-Vincent-de-Paul, le centre de Paris. Il s'agit d'un projet pour une gestion de l'eau pluviale sans canalisation. Thierry, vous avez la parole. Bonjour, je vais vous parler en français. Désolé. Donc, je vais vous présenter l'opération Saint-Vincent-de-Paul, où nous y travaillons depuis déjà 3 ans à peu près. Et donc, c'est une opération d'aménagement en plein cœur de Paris, dans le 14e arrondissement, qui fait à peu près une dizaine d'hectares, et qui est l'objet, c'est de transformer, de requalifier un hôpital, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, en quartier d'habitation avec des équipements publics et puis des espaces publics. Et donc là-dessus, la mission d'ATM, c'est une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour mettre en place une gestion des eaux pluviales de forte qualité, on va dire, et de faire le lien avec tous les acteurs au regard de cette gestion des eaux pluviales. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc voilà, c'est un quartier en transition. Vous voyez devant vous l'hôpital qui est donc d'ailleurs coincé entre des masses végétales qui sont d'un côté un couvent catholique, le couvent de la Visitation, qui a ce grand mérite d'avoir un énorme parc en pleine zone très dense, urbaine. Et puis, la Fondation Cartier, qui est donc un musée, avec aussi un très, très grand parc. Et donc, de ce fait, se poser la question, et c'est sur la slide suivante, se poser la question de faire en sorte que cette opération d'aménagement soit aussi un élément de corridor écologique, de trame verte et bleue, mais de corridor écologique pour faire ce lien entre ces deux masses végétales, mais aussi ces deux espaces où on a du sol vivant et qui permettait aussi, du coup, d'accroître l'efficience des espaces publics végétalisés de l'opération d'aménagement. Slide suivante. Et donc, sur cette... Alors, si on est assistance à maîtrise d'ouvrage sur la gestion des eaux pluviales de cette opération, c'est parce que nous sommes à Paris et qu'à Paris, il y a un zonage pluvial qui est assez, on va dire, fort, assez important, puisque selon les zones à Paris, il est la ville de Paris, via ce zonage pluvial, demande à ce qu'il y ait un abattement, donc un zéro rejet pour une certaine hauteur de précipitation en fonction des zones. Donc ça va de 4 mm à 16 mm. Et c'est un abattement en 24 heures. Et donc un abattement, ça veut dire aucun rejet au réseau de ces événements pluvieux. Alors ce sont des pluies courantes, ce n'est pas des pluies trop importantes. Et là, sur cette zone, la zone jaune, on doit abattre 12 mm
en 24 heures. Ça veut dire que l'opération ne peut pas rejeter d'eau pluviale pour ces pluies courantes. Slide suivante. Et donc, on s'est évidemment, on a travaillé là-dessus, enfin, je vais vous expliquer par la suite, mais l'objectif qu'on s'est fixé, c'est, puisqu'on doit abattre cette pluie courante qui est donc de 12 mm en 24 heures, qui est déjà en milieu urbain dense, avec une approche très classique qui est relativement compliquée à faire, pourquoi ne pas envisager d'être en zéro rejet pour au moins la pluie de période de retour décennale, qui était une pluie de référence, on va dire, de moins en moins, mais en tout cas qui l'a été pas mal sur ce territoire. Ceci dit, la pluie décennale considérée par la ville de Paris, c'est une pluie de 48 mm en 4 heures, qui est déjà une très forte pluie, en fait, pour la région. Et donc voilà, on a essayé depuis le début d'aller beaucoup plus loin que le zonage pluvial et d'avoir une approche de zéro rejet au moins jusqu'à la pluie décennale et donc du coup de ne pas mettre de tuyaux, de ne pas mettre de réseaux enterrés, d'avoir vraiment essentiellement un cheminement d'eau à ciel ouvert sur l'opération d'aménagement. Slide suivante. Mais pour ça, et dès qu'on est à ciel ouvert, c'est ça la grande difficulté, c'est qu'on est forcément sur une approche transversale, sur une approche transversale de métier. Donc là, les acteurs sont assez multiples, il y en a sûrement d'autres, mais il y a déjà un urbaniste en chef de l'ASAC, donc l'agence Beltrando, avec qui, quand on travaille à ciel ouvert, il va falloir à chaque fois pouvoir discuter avec lui de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de ce qui est envisageable du point de vue du visuel ou pas, mais aussi l'équipe de maîtrise d'œuvre qui, elle, va, à partir de nos documents, à partir de nos plans, à partir de nos simulations hydrauliques et de nos simulations de nivellement, intégrer ça dans leurs documents de maîtrise d'œuvre pour par la suite réaliser le chantier. Évidemment qu'il y a, il y a aussi sur cette opération différentes assistances à maîtrise d'ouvrage, des assistances à maîtrise d'ouvrage plutôt environnementales, avec qui on va travailler, bien évidemment. Et puis, et j'y reviendrai, on a fait tout ce projet-là en concertation assez forte avec les différents services de la ville de Paris, qui sont les futurs gestionnaires de ces espaces, et bien évidemment avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, puisqu'en fait, à partir du moment où on avait cette stratégie de déconnexion, de désimperméabilisation et de déconnexion, eh bien, c'est une opération d'aménagement qui est subventionnable par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et qui est quand même un argument très important pour cette action de déconnexion. Slide suivante. Alors, du coup, oui, on a travaillé. Là, c'est un extrait du schéma de gestion des eaux pluviales qu'on a réalisé. Mais en fait, on a travaillé en faisant une très forte concertation avec ces services de la ville de Paris, puisqu'en fait, à partir du moment où on travaille à ciel ouvert sur cette opération, ça implique des incidences sur la voirie, ça implique des incidences sur les espaces verts et ça implique des incidences sur la gestion de l'eau au sens de l'assainissement. Et donc, il y a au moins ces trois services de la ville de Paris avec qui on a travaillé, ainsi que le service de l'urbanisme. L'idée a été de travailler dans une sorte de groupe de travail et de proposer, nous, en tant que bureau d'études, différents scénarios d'aménagement de gestion des eaux. Et petit à petit, par ce groupe de travail, de les supprimer pour arriver après à un scénario qui serait partagé par tous. Et à la fin, on est arrivé à les deux derniers scénarios qui étaient des scénarios peut-être un peu... qui étaient quelque part un peu caricaturales malgré tout, qui étaient de dire, voilà... la caricature, c'est plutôt de dire les lots privistes gèrent leurs propres eaux, on va dire, et les espaces publics gèrent aussi leurs propres eaux. Ce qui est beaucoup plus simple, mais en même temps beaucoup plus compliqué aussi. C'est beaucoup plus simple administrativement, mais beaucoup plus compliqué techniquement. Et il a fallu, grâce à ce groupe de travail, nuancer les propos. Et on est arrivé à travailler sur un scénario mutualisé où, qui a été simulé hydrauliquement. Et donc, ce scénario, c'est la gestion des pluies courantes se fait, donc les 12 mm, cette gestion se fait sur chacun à la source, en fait, là où elle tombe,
donc sur les lots privés et aussi sur les espaces publics. Et au-delà de ces plus courantes, on a une surverse des privés sur le public et il y a une gestion publique de l'événement pluvieux jusqu'à la pluie décennale. Et après la pluie décennale, ça va surverser et puis partir vers l'extérieur, mais par ruissellement de surface. Et donc, c'est ce scénario qui a été choisi et sur lequel, après, on a pu bâtir tout un schéma de gestion de l'eau qui a permis, enfin, dimensionné avec des cotes, avec des, enfin, voilà, des volumes, des débits, etc. Mais surtout, qui a servi ce schéma pour la maîtrise d'œuvre par la suite de bâtir son avant-projet, ce qu'on appelle l'AVP en langage de maîtrise d'œuvre. Slide suivante. Pour le lot privé, pour les lots privés, l'abattement des pluies courantes, il n'y a pas 36 000 solutions, surtout sur des espaces privés qui sont quasiment intégralement construits. Eh bien, c'est ou bien de travailler sur les toitures, quand elles sont des toitures terrasses, c'est de travailler sur les toitures végétalisées, ou bien sur du recyclage d'eau de pluie, notamment dans des cuves pour les sanitaires. On a simulé sur chacun des lots l'intérêt ou pas de travailler sur une solution plutôt qu'une autre, voire un mix de solutions. Sur les toits terrasses, clairement, le fait de végétaliser la toiture avec un substrat, on est parti sur une hauteur de végétalisation, enfin, une épaisseur de substrat de 20 cm minimum, ce qui permet d'abattre une pluie, enfin, à peu près 16 mm. Donc, on est supérieur à l'objectif qui était d'abattre une pluie de 12 mm. Donc, ce n'est pas forcément idiot d'aller plus loin que l'objectif, puisque cet abattement de pluie, c'est un volume qu'on n'a pas à gérer en bas du bâtiment, si vous voulez. Donc, ce n'est pas forcément du tout idiot d'être avec un abattement supplémentaire, au-delà des effets bioclimatiques et au-delà des effets écologiques. Et puis, parfois, on a travaillé aussi sur du recyclage pour les toilettes, et notamment plutôt pour les locaux d'activité qui ont une consommation un peu supérieure et qui permet d'optimiser un peu les volumes des cuves, sinon ça devient un projet relativement coûteux. Voilà, donc ça c'est pour la partie privée. Et puis slide suivante, s'il vous plaît, merci. Un autre aspect qui est un peu une innovation sur ce projet, c'est que dans cet hôpital, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que une grande partie des bâtiments évidemment existants sont préservés, sont conservés, sont valorisés dans le cadre de l'opération. Et sur ces bâtiments, il y a des cours anglaises. Des cours anglaises, c'est donc une sorte de sous-sol qui permet, grâce à un talutage et au fait que vous voyez sur les photos, sur les images, ça permet en gros d'habiter quelque chose, un espace qui est sous terre en quelque sorte. C'est la bête noire pour les services d'assainissement parce que ça veut dire descendre les réseaux à des cotes inférieures à la cote du terrain et donc après pour les raccorder au réseau, bien évidemment souvent c'est de passer par des stations de relevage des pompes. Et donc là ce qu'on a fait, c'est que sur ces bâtiments existants, on a dévoyé les descentes d'eau pluviale au-dessus de la cote du terrain. Et de ce fait, on a rendu complètement autonomes les cours anglaises, c'est-à-dire que les cours anglaises ne sont pas raccordées à un tuyau, c'est-à-dire qu'elles sont complètement autonomes, elles doivent s'infiltrer. Et donc là, on a simulé tous ces espaces de cours anglaises jusqu'à la pluie centennale. Et on a donc du coup mis des seuils d'accessibilité au bâtiment qui étaient au-delà de cette pluie. Ce qui nous permet de nous affranchir du raccordement de ces espaces sur l'espace public et donc de ne pas avoir de station de relevage, ce qui est quand même très important. D'autant que tous les gens qui pratiquent un peu la gestion des eaux pluviales savent que les stations de relevage, surtout sur du pluvial, fonctionnent très rarement et demandent surtout une maintenance très très importante. Donc voilà, on a donc du coup optimisé, simplifié la gestion de l'eau sur ces bâtiments. On peut passer à la slide suivante. Donc, voilà, ça, c'est l'existant que vous voyez. Ça, c'est un axe central de l'hôpital. Donc, ces bâtiments, notamment ces deux-là que vous voyez de part et d'autre de l'allée, sont conservés. Certains vont être modifiés, vont être surélevés. Mais en gros,
pour vous montrer un peu ce que va être le paysage futur de ce projet, vous pouvez passer à la slide suivante. On a donc un espace public qui va être là, c'est la grande esplanade, on va dire, de l'axe central piétonnisé et végétalisé du quartier, avec une vue d'ailleurs directe sur la tour Montparnasse, et dans cet axe-là. Et en fait, vous voyez sur la droite un petit décaissé qui est, disons, plus végétalisé avec une strate arbustive, une strate arborée, qui est l'espace qui va gérer les pluies courantes. Et puis tout le reste, en fait, est un espace de prairie sur lequel il peut y avoir des usages. Et si on passe sur la slide suivante. Merci. Donc là, on voit qu'on a dans cette simulation, on a une gestion des pluies courantes qui se fait dans la petite noue qui est sur la droite, mais on peut continuer d'utiliser les autres espaces qui ne sont pas inondés. On a aussi, donc, du coup, là, sur un événement plus vieux comme ça, on a l'espace public qui gère sa propre pluie courante et on a l'espace privé qui gère aussi leur propre pluie courante, donc sur les toitures ou sur les dans le cadre de cuves, de réservoirs d'eau, si vous voulez, avec une volonté de tout vidanger en 24 heures, hein, quand même, malgré tout. Slide suivante. Et là, on a une pluie supérieure. Là, on a simulé une pluie décennale. Et donc, on a encore, évidemment, des espaces hors d'eau, mais on est sur un espace qui est complètement inondé, enfin, en tout cas, la prairie, pendant... et donc, dans nos, enfin, pendant un laps de temps qui va dépendre de la perméabilité. Donc, tout ce projet-là, il a été simulé, dimensionné avec donc une pluie de 48 mm sur 4 heures et puis avec le niveau de perméabilité du sol. Il y a eu énormément de sondages qui ont été faits. Ces pluies courantes, alors les pluies décennales, on va dire qu'elles sont traitées par l'infiltration et aussi les surverses qu'on peut avoir. Et les pluies courantes sont essentiellement gérées par évapotranspiration, infiltration et évapotranspiration. Vous pouvez passer à la slide d'après, s'il vous plaît, merci. Et en fait, on voit bien que ces espaces sont évidemment multifonctionnels, c'est-à-dire qu'en fait, permettent des usages urbains et permettent en même temps d'avoir une certaine urbanité. Mais c'est aussi des espaces, c'est aussi un espace bioclimatique, hein, c'est un îlot de fraîcheur en cœur d'îlot. C'est un espace avec du sol vivant et c'est aussi un espace avec de la biodiversité. Donc, vous voyez, en travaillant sur la gestion des eaux pluviales et en ayant une approche un peu transversale, on a pu avoir une démarche plutôt de biodiversité globale, on va dire, tout en ayant une superposition d'usages qui peut être des usages voilà, de la population, des usages urbains. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Bon, la suite, bon, on est toujours en cours. Là, on est en train de travailler sur l'AVP numéro 2. En fait, il y a un AVP 2 qui suite à un avant-projet qui a fait l'objet de pas mal de remarques, et notamment sur la gestion des eaux pluviales. Donc, on est en train de tout bien articuler au regard de cet avant-projet pour que la gestion des eaux pluviales soit complètement conforme à l'objectif. Et donc, on passera au pro dans la foulée, en fait, au projet, sachant que l'objectif, c'est déjà de démarrer des premiers travaux dans le courant de 2023. Slide suivante. Et voilà, ben, je vous remercie et je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci, au revoir. Merci Thierry, merci pour la présentation. Thank you very much. Il s'agit de Virginie Laurent. Virginie a un doctorat en géologie physique et elle a obtenu son doctorat à l'Université de Provence. Elle a travaillé dans le domaine de la dynamique fluviale et ensuite, elle est directrice dans un syndicat mixte et aujourd'hui,
Elle est ingénieure à l'EPTB, Seine-Marmac. Elle travaille sur les ZEC, les indexations des crues. Son périmètre de responsabilité dépasse 44 km². Et la présentation d'aujourd'hui concerne ces ZEC et un nouvel outil à prise de décision. Si j'aime. Allez-y. Ben voilà. Donc, effectivement, au sein de l'EPTB Seine-Marmac, on a une petite équipe pour travailler notamment sur un outil d'aide à la décision. Alors, on utilise beaucoup d'acronymes et effectivement, en français, ZEC, zone d'expansion de crue. Donc, pour essayer d'identifier, caractériser et hiérarchiser ces zones d'expansion de crue. Alors, du coup, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on va d'abord rappeler un petit peu le contexte et ensuite expliquer vraiment l'objet, puisque la définition des zones d'expansion de crues n'est pas très claire dans la bibliographie. Et ensuite, s'attarder à la construction de cet outil. Diapo suivante. Alors, le PTB Seine-Grand-Lac, c'est un établissement public territorial de bassin. Il est situé sur le bassin Seine-Normandie et couvre sa partie amont. Il a pour mission de faciliter la prévention des inondations, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité. Son périmètre de reconnaissance couvre 44 000 km² des sources de la Seine jusqu'à la confluence avec l'Oise. Et on s'est rendu compte que sur ce vaste périmètre, on avait encore beaucoup de champs d'expansion de crues qui étaient vierges de toute urbanisation et qui avaient un potentiel pour réduire à la source les débits de l'ensemble du réseau hydrographique et du coup avoir un rôle de protection des espaces urbanisés. Donc c'est fort de ce constat que le PTB Seine-Grand-Lac s'est fixé comme objectif de recréer une solidarité de bassin pour relier des territoires à forts enjeux. Donc, ce que vous voyez sur la carte, qui sont les territoires à risque d'inondation, et des zones rurales qui sont situées plus en amont. Ces zones rurales permettront alors de protéger les zones à enjeu en garantissant aux uns et aux autres des intérêts économiques. Pour ce faire, le PTB porte 5 programmes d'action de prévention des inondations, qu'on appelle PAPI, et notamment celui de la Seine et de la Marne francilienne, qui est le plus gros PAPI de France. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre de ce PAPI, et grâce au financement de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, puisqu'on a un contrat de partenariat pour l'adaptation au changement climatique, le PTB Seine-Grand-Lac a renforcé sa prise en compte du risque dans l'aménagement du territoire et en proposant cette action qui s'intitule « Préserver, restaurer et gérer les champs d'expansion de crues et les zones humides, tout en valorisant les infrastructures vertes dans la gestion globale du risque d'inondation » sur le bassin amont de la Seine. Alors, cette action, elle répond aux objectifs et aux défis du SDAJ, schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, et du PGRI, plan de gestion des risques d'inondation. Elle s'appuie sur 2 guides que vous voyez ici. Donc, le guide de recommandation de la CMI de 2016 qui est destiné aux acteurs locaux, qui s'intitule « Prise en compte de l'activité agricole et des espaces naturels dans le cadre de la gestion des risques d'inondation ». Et un second guide qui est, lui, destiné aux porteurs de PAPI et qui s'intitule « La recommandation pour la prise en compte des fonctionnalités des milieux humides dans une approche intégrée de la prévention des inondations ». Cette action, elle s'intègre également et elle arrive en cohérence avec les objectifs que la ville de Paris s'est fixés dans le cadre de sa stratégie de résilience qui, sur la fiche 32, consiste à atténuer les effets des sécheresses et des étiages, freiner les inondations et améliorer la qualité de la ressource. L'action se décline en 2 volets. Donc, comme on va le voir, la partie développement d'un outil SIG
Et ensuite, un second volet qui est la construction de projets de territoire qui vont découler en fait de ce que l'outil va pouvoir mettre en évidence. Donc, ces projets de territoire, ils se construisent après avec une gouvernance ascendante puisqu'on s'appuie sur les autorités locales qui ont la compétence GEMAPI. On travaille en étroite collaboration avec la profession agricole, l'agence de l'eau et les services de l'État et l'ensemble des acteurs locaux qui ont vocation à travailler sur la gestion des inondations et aussi de la biodiversité. Donc, un préalable pour le développement de l'outil, ça a été de définir ce qu'est une zone d'expansion crue. Donc, c'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Parce que avant de pouvoir développer un outil, il fallait déjà bien définir ce qu'allait être son objet. Alors, le concept de zone d'expansion crue, il se développe dans les années 2000 et il se base sur le fonctionnement des plaines alluviales. Donc, même s'il repose sur des fondements scientifiques liés à l'hydrogéomorphologie, comme je le disais tout à l'heure, il souffre d'une multiplicité de définitions qui varie d'un acteur à un autre. Donc, un des premiers enjeux des comités de pilotage, ça a été d'établir une définition de ces zones d'expansion de crue afin qu'après, l'outil puisse répondre aux questions. Donc, le comité de pilotage a défini les zones d'expansion de crue de la manière suivante et avec une définition la plus inclusive possible pour qu'on puisse intégrer un maximum d'espace à la démarche. Donc, la définition qui a été retenue, ce sont que les zones d'expansion de crue sont des espaces du lit majeur non urbanisés ou peu urbanisés, éventuellement aménagés, pouvant stocker naturellement de l'eau de façon transitoire en cas d'inondation. Tout en participant à la structuration des paysages et à l'équilibre des hydrosystèmes, elles agissent comme une zone tampon à l'image d'une éponge, écrétant ainsi le débit de pointe d'une crue, limitant le niveau d'eau à l'aval et étalant la durée d'écoulement. Donc, vous voyez ici qu'on est sur vraiment toutes les superficies qui vont être dans le lit majeur. Et on a vu dans l'exposé précédent notamment qu'on peut avoir de toutes petites zones d'expansion de crue, même en milieu urbanisé. Donc, il faut quand même juste faire attention à ne pas confondre zone d'expansion de crue et zone de surinondation, où là, on est sur une surinondation qui est volontaire et qui peut à la fois concerner des zones d'expansion de crue, mais aussi des espaces qui ne sont pas, qui n'auraient pas été inondés naturellement et qui peuvent être hors du lit majeur. Donc là, on est sur des zones où elles sont régulées par des ouvrages de rétention. Et donc, il faut vraiment distinguer ces espaces-là qui sont plus particuliers. Donc, la définition, comme je le disais, elle a permis de servir de base à la construction de l'outil SIG et du coup de définir les limites d'investigation au lit majeur des cours d'eau. Les zones d'expansion de crue étant des espaces multifonctionnels, elles gèrent à la fois les aspects quantité d'eau, le trop peu et le trop plein, mais aussi elles ont un rôle de filtre pour la qualité de l'eau et elles ont un rôle aussi en termes de biodiversité et de patrimoine paysager. C'est pourquoi, on verra tout à l'heure, dans les différents critères de hiérarchisation, on ne s'est pas limité aux critères purement hydrauliques, mais on a utilisé aussi des critères environnementaux. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour construire cet outil, il est important de pouvoir indiquer en préalable les contraintes qui ont servi de base à la réflexion. Donc, la première contrainte, comme on a un périmètre de 44 000 km², c'était d'éviter d'avoir à créer de la donnée. Donc, l'idée, c'était que l'outil développé devait, dans la mesure du possible, utiliser des données disponibles en open source. Ensuite, on travaille avec des collectivités locales qui ont des besoins spécifiques. Donc, il fallait que cet outil puisse répondre à ces besoins des territoires et qui peuvent être différents en fonction des enjeux. On a des territoires qui sont très urbanisés, des territoires très ruraux. Donc, il fallait que ce soit un outil qui puisse s'adapter à ces enjeux. Enfin, il faut que l'outil, même si dans sa construction, il peut être très compliqué, avec des traitements SIG en chaîne et un peu complexe, il faut qu'à la fin, l'outil soit simple d'utilisation pour que les différents acteurs puissent se l'approprier. Enfin, il faut aussi que l'outil puisse être évolutif,
et qu'on puisse l'améliorer au fur et à mesure que on va acquérir des nouvelles données ou on va améliorer une partie de son mécanisme. Donc voilà un peu les quatre contraintes qui ont guidé ce que vous allez voir par la suite. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, l'outil, comme je vous le disais, on est sur un périmètre qui fait 44 000 km². Donc, dans un premier temps, on a décidé d'avoir une approche multiscalaire et de faire un premier zoom sur des territoires pilotes qui ont été définis à partir de critères alors météorologiques, géologiques, géomorphologiques, qui nous ont permis d'essayer d'évaluer la propension des territoires à générer des crues. Ensuite, on a essayé de regarder quelles étaient les potentialités en termes de contraintes ou de leviers d'action qu'il y avait sur les territoires, donc quel était le volume qui pouvait être potentiellement stockable lors d'une crue. Et surtout, un critère qui était difficilement tangible par le biais du SIG, c'est l'acceptabilité des acteurs locaux à s'impliquer dans la démarche. Donc, cinq territoires pilotes ont été identifiés. C'est ceux que vous voyez en rose sur la carte. Donc, rapidement, c'est le bassin Marne-Amont, le bassin Seine-Supérieure avec les Pages-Sequana, le Loing-Amont, le syndicat qui couvre la rivière École et puis une partie de Lyon avec son affluent la Vanne. Donc, les investigations, elles se sont d'abord concentrées, on va dire, sur ces territoires pilotes avant de pouvoir être ensuite déployées à l'échelle du périmètre de l'EPTB. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'outil, comme on le disait, c'est identifier, caractériser et hiérarchiser les zones d'expansion de crues. Donc, identifier, ça a été relativement simple, c'était de se dire on va poursuivre les investigations au sein du lit majeur. Il suffit, entre guillemets, de cartographier ce lit majeur sur l'ensemble des cours d'eau et on a déjà une courbe enveloppe d'interrogation. Ensuite, l'idée était de caractériser ces zones d'expansion de crues. Alors, pour les caractériser, on a travaillé sur une typologie. Cette typologie est celle que vous voyez à l'écran. On a regardé comment fonctionnait le lit majeur à partir de variables telles que le taux d'encaissement du lit mineur, le taux de rectification, la présence de remblais ou de digues. Et on a pu voir qu'on avait des espaces avec des zones d'expansion de crues qu'on a appelées des zones d'expansion de crues à préserver. Donc là, on est sur des secteurs qui sont avec un lit majeur qui est fonctionnel. Ça veut dire que pour nous, il se met en eau à partir d'une crue d'occurrence biennale et qui ne présente pas d'enjeu. Donc là, c'est typiquement des espaces qu'il faut préserver puisque si jamais ils étaient bétonnés, on aurait tendance à aggraver les inondations en aval, alors que là, ils ont un fonctionnement qui préserve les espaces qui sont en aval. Ensuite, on a une autre catégorie qui sont les zones d'expansion de crue qu'on a appelées à optimiser ou à restaurer. Ce sont des secteurs où le lit majeur, il est peu ou plus fonctionnel du fait des interventions humaines qui ont été réalisées au fil des siècles. Donc, ces interventions, ça peut être des rectifications, ça peut être des recalibrages, ça peut être des endiguements, mais on voit que sur la petite illustration, on peut, à l'aide de travaux, essayer d'optimiser ou améliorer les choses. Voilà, sur l'illustration, là, on recule la digue pour avoir plus d'espace pour l'expansion de crue. On peut avoir des opérations de reméandrage pour ralentir les flux, etc., etc. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ce qu'on a appelé les zones d'expansion de crue à aménager. Donc là, on est sur des espaces avec un fort potentiel de stockage et des enjeux forts en aval et la possibilité, du coup, d'aménager un ouvrage en travers du lit majeur pour pouvoir faire de la surinondation. Donc voilà le troisième type. Donc l'outil permet déjà de pouvoir identifier, caractériser les parcelles avec cette typologie. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a une cartographie avec des milliers ou des millions de parcelles à préserver, à restaurer ou à aménager,
L'idée, c'est d'avoir des critères qui vont nous permettre de hiérarchiser. Alors là, c'est la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ces critères, on en a plusieurs types et on s'est basé effectivement, comme je disais tout à l'heure, sur la définition de zone d'expansion de crue. Une zone d'expansion de crue, ça peut être aussi un espace avec des enjeux de biodiversité. Donc, un des premiers critères, c'était les données environnementales, la présence d'enjeux environnementaux. Donc là, on croise toutes les données environnementales et on fait ressortir les parcelles qui ont les plus forts enjeux. Un autre critère, ça peut être aussi le volume d'eau qui peut être potentiellement stocké sur ces parcelles. Donc là, c'est un outil que le PTB a développé. Un autre critère encore, ça peut être la vulnérabilité de ces parcelles. Alors, deux types de vulnérabilité, c'est plus simple, entre guillemets, d'inonder une parcelle en prairie que d'inonder un champ de blé et que d'inonder la caserne des pompiers. Donc, on a un gradient comme ça de vulnérabilité pour chacune des parcelles en fonction des enjeux présents sur la parcelle. Et enfin, une parcelle dans cet outil, elle va être d'autant plus intéressante qu'elle est située en amont d'enjeux forts. Donc, si en aval de cette parcelle, on a une présence d'enjeux forts en zone inondable, bah, la parcelle elle va ressortir comme étant plus intéressante. Voilà, à l'heure actuelle où on en est, il y a un petit etc. parce que, bien évidemment, on ne se limite pas dans les possibilités de hiérarchiser et d'autres paramètres pourront être pris en compte dans l'avenir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, une fois qu'on a traité l'ensemble des données, donc l'idée, c'est que les collectivités ont alors accès à un outil sous la forme d'une base de données qui va pouvoir retranscrire des requêtes en fonction de leurs besoins. Alors, la retranscription se faisait au départ sous la forme d'un tableau Excel un peu imbuvable. Donc, l'idée, ça a été qu'il puisse être automatiquement transféré sous forme d'une cartographie. Et on voit là sur l'image qu'il ne reste entre guillemets que quelques parcelles en vert fluo qui correspondent à la requête qui a été effectuée. Alors, si je prends l'exemple d'une collectivité gémapienne qui va utiliser l'outil, elle peut tout à fait, imaginons qu'elle ait une stratégie d'acquisition foncière pour préserver des zones d'expansion de crue. Donc, elle va dans un premier temps demander à l'outil quels sont les espaces qu'il est intéressant de préserver. Et ensuite, sur le principe d'une hiérarchisation en cascade, elle va sélectionner dans l'ordre qu'elle souhaite les priorités de son choix, dire par exemple, je veux uniquement voir afficher des parcelles qui ont un rôle stratégique d'un point de vue de la gestion des inondations, donc qui vont du coup avoir des forts volumes de stockage. Ensuite, je veux également voir les parcelles qui ont quand même un rôle important en termes de biodiversité. Et du coup, l'outil va filtrer et du coup, ne s'afficheront que le résultat de la requête. Donc, on a ainsi, on peut faire plusieurs itérations pour construire un programme d'action en fonction qu'on veuille faire de la préservation ou de la restauration ou de l'aménagement de zones d'expansion de crue. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, une fois qu'on est capable d'identifier des parcelles sur lesquelles travailler, ça reste, comme on l'a dit, un outil d'aide à la décision. Donc, on a identifié des secteurs avec des zones intéressantes, mais après, il y a tout le travail qui est le deuxième volet de l'action, qui est la co-construction de projets de territoire. Alors, actuellement, le PTB accompagne les 5 territoires pilotes pour des projets tels que l'effacement de merlons de curage, la suppression de digues, des opérations de reméandrage, de l'aménagement de zones d'expansion de crue en zone urbaine et aussi de la création de journées d'animation, de sensibilisation, parce que bien évidemment, pour que ces projets puissent voir le jour, il faut que les acteurs y soient sensibles. Donc, sur les 5 territoires pilotes, aujourd'hui, ça représente de l'ordre de 200 projets pour une valeur totale de 130 millions d'euros. Et donc, on imagine bien qu'en se projetant sur l'ensemble du périmètre de l'EPTB Seine-Grand-Lac, ça sera des chiffres encore plus gros.
Voilà. Bah, écoutez, c'est la fin. Je vous remercie beaucoup et je suis disponible pour les questions. Mr. Macarius, you have to put Je pense que vous êtes en sourdine. On ne vous entend pas. Ok, pardon. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, Virginie. Maintenant que nous avons terminé notre série de présentations, nous pouvons répondre à quelques questions. Nous avons déjà eu des questions posées des collègues et je commencerai avec Virginie. Virginie, we have a question from Mr. or Virginie, nous avons une question de la part de Kao Izina. Quelle est la différence entre une ZEC et les plein inondable et les lits majeurs? Oui. Pouvez-vous nous dire la différence, s'il vous plaît? La définition qu'on utilise, ça reprend en fait le lit majeur des cours d'eau, mais quand on a des espaces fortement urbanisés, on ne peut pas aller chercher des zones d'expansion de crue. Donc, en fait, c'est quasiment le lit majeur, mais dans lequel on va soustraire les espaces qui sont trop densément urbanisés. Même si on l'a vu tout à l'heure qu'il y a des opérations tout à fait intéressantes à pouvoir mener à l'échelle, j'ai envie de dire, micro au niveau des parcelles pour nous, quoi. Chaque goutte d'eau compte. Donc, c'est des micro-zones d'expansion de crue avec l'infiltration qui peut se faire sur les toits, etc. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant. Mais nous, on peut pas, on n'intervient pas sur ce type d'opération. Donc, du coup, ces espaces-là sont sortis de la définition de zone d'expansion. Thank you very, very much. Merci beaucoup. Merci. Bien, maintenant, nous allons revenir aux présentations précédentes. Des questions ont été posées également par M. Bertoni, qui devait modérer cette session et qui n'a pas pu être ici aujourd'hui. Martine, nous allons commencer avec vous. Martine, vous avez parlé d'un manque de méthodologie partagée et les défis qui s'imposent lorsque nous travaillons sur ces systèmes qui sont différents. Pouvez-vous nous faire des propositions? Que devons-nous faire? Comment avancer puisque nous n'avons pas une méthodologie commune utilisée par tous et toutes? Et bien entendu, c'est très important lorsque nous parlons de systèmes tels. Oui, merci Alexander pour cette question. Le temps nous est compté. Donc, je vais passer directement à la meilleure solution. La meilleure solution, c'est qu'il y ait des orientations majeures qui s'appliquent de manière mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs d'eau et de traitement des eaux usées. Et cela doit venir du GIEC. Il y a des orientations, mais elles ne sont pas très claires. Alors, il n'est pas nécessaire que ce soit le GIEC. Cela peut être également l'Organisation mondiale de la santé. Toute organisation à niveau international, cela pourrait nous être très utile. Merci. Merci beaucoup. Bien, maintenant, je vais poser une question rapide à Julien. Merci. Pouvez-vous nous en dire plus sur le coût approximatif par mètre carré de l'installation que vous avez testée? Oui. Excellente question. Je dirais avant tout que cela dépend. Alors, en termes de coûts, la plus grande partie, ce sont les travaux qui consistent à creuser. Et donc, il s'agit de 600 à 1000 euros par mètre carré. Cela inclut tout, les équipements, les systèmes d'automatisation.
afin que tout le système soit bien mis en place et qu'il soit opérationnel. Donc, les travaux d'excavation, les équipements et ainsi de suite. Très bien. Une autre question, Virginie Benambarak. Se compare avec les pics de Ipiloar. Oui, alors c'est, ça se ressemble, les deux projets se ressemblent parce que c'est un peu le même objectif, mais la démarche, elle est un peu différente, enfin, il me semble, hein, parce que après, de ce que j'ai cru voir, le projet de l'EPOA est moins inclusif que le nôtre. C'est pas la même typologie, il me semble pas avoir vu la... Dans un premier temps, dans leur projet, ils ne prenaient pas en compte les zones à préserver. Mais dans le dernier communiqué que j'ai vu, ils se sont rendus compte que c'était aussi important la partie préservation. Alors, je ne sais pas exactement où ça en est. C'est des démarches qui se rejoignent avec des méthodologies un peu différentes. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question. J'espère que Bernard peut vous demander une autre question après ça aussi. Voilà. Pas hésiter, mais voilà, à nous contacter. Exactement. On a une dernière petite minute. Et je voudrais demander à Thierry une petite question par rapport à son travaux. Et Thierry, avez-vous déjà réalisé ou avez-vous l'intention de réaliser des études mathématiques qui vérifient l'applicabilité des... la proposition pour des pluies de 10 et 100 ans, et des temps de récurrence. En fait, tout le schéma de gestion de l'eau qui a été préalablement fait a été dimensionné, simulé et modélisé, en fait, déjà. En revanche, effectivement, et donc, du coup, tout le projet a été découpé en bassin versant, sous-bassin versant, et il y a toute une dynamique hydraulique. Il y a de l'infiltration, certes, mais il y a des endroits où c'est plus difficile. Donc, ça surverse de bassin versant en sous-bassin versant. Et tout ça a été dimensionné et simulé. Donc, voilà, c'est je pense, répondre à la question, il me semble. And could you also just... Oui, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur le coût approximatif de ces mesures et quelle sera la répartition du secteur public et privé? Alors, le coût, on est sur des dispositifs, c'est pareil, c'est très difficile à chiffrer, puisqu'en fait, dans ce chiffrage, il y a énormément de services qui ne sont pas que des services de gestion de l'eau. On a bien vu, avec les perspectives que j'ai montrées, on est grosso modo sur une gestion qui coûte, si je prends un ratio au mètre cube de stockage, on est vraiment sur tout compris, c'est-à-dire tout le visuel, tout ce que vous voyez dans l'espace, c'est à peu près 700-750 euros du mètre cube de stockage, du mètre cube de gestion de l'eau. Ce qui est quand même intéressant, c'est de le comparer avec un volume enterré. Un volume enterré où on n'a que la fonction hydraulique, on est plutôt sur de l'ordre de 1000 mètres cubes hors taxe, 1000 euros du mètre cube, pardon. Et si on est donc à ciel ouvert avec ces autres services, on est sur 750 euros à peu près. Pour les toitures terrasses végétalisées, on est sur c'est pareil, c'est assez difficile aussi à chiffrer, tout va dépendre du bâtiment et de l'existant, etc. Mais on est sur un surcoût lié à la toiture végétalisée qui va être de l'ordre de 50 à 70 euros du mètre carré de la toiture. Pareil, c'est vraiment pas... si on compare avec une gestion de l'eau plus classique en bassin, on est vraiment beaucoup moins coûteux, beaucoup moins cher. Voilà. Et ça, tout ça, je vous dis ça sans les subventions agences de l'eau. Parce que, par exemple, une toiture végétalisée, en tout cas en Île-de-France, elle est subventionnée à raison de 100 euros du mètre carré. Donc, on est très, très bien financé sur de la toiture végétalisée. Voilà, donc en termes de coûts, je ne sais pas si je réponds exactement intégralement à la question, mais voilà, on est de cet ordre-là.
Thank you for sure the material. Merci beaucoup pour tout cela. Alors, mesdames, messieurs, nous avons déjà dépassé notre temps imparti. Je vous remercie tous les quatre pour ces excellentes présentations. Je vois que M. Barak a encore posé une question. Malheureusement, on n'a plus de temps, donc on pourrait peut-être voir ça en bilatéral. C'est sur les digues, je pense. Et je vous remercie encore une fois pour votre participation, pour ces excellentes solutions que vous avez proposées. Et merci beaucoup d'être resté avec nous en ligne pendant 90 minutes. Et je vous souhaite tout le succès dans vos projets à l'avenir. Et passez une bonne journée. Merci beaucoup. On remercie tous les intervenants pour ces très intéressantes présentations. Merci à tous les participants pour votre participation, votre intérêt. Et il y a un événement en parallèle qui va commencer tout de suite à 12h30. Ensuite, il y a 3 tables rondes commençant demain matin à 9h. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.